Hardy, nous sommes très contents. Et je voudrais demander en quelques minutes les délégations qui viennent du Cameroun, les délégations qui viennent du Centrafrique, vous imaginez, par voie terrestre depuis Bangui, les délégations qui viennent du Bénin, j'ai oublié qu'il y a encore, de Sao Tomé, Principe, de pouvoir se lever, nous voulons acclamer le Seigneur pour votre présence. Je n'ai pas oublié Île Maurice. Ils reviennent aussi de Île Maurice. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Nous accueillons Mickey Hardy. Merci, merci. Le Seigneur est bon. Je suis heureux. J'aime l'évangile. J'aime la parole de Dieu. J'aime quand elle vient à nos cœurs. Qu'elle nous interpelle, montre le chemin, qu'elle nous libère. C'est merveilleux. Ce soir, je voudrais vous parler un moment. On a parlé du serviteur de Dieu, on a parlé de son appel, on a parlé de son message. Et pour terminer, je voudrais parler sur sa vie. La vie du serviteur de Dieu. Ce n'est pas pour prendre ça à la légère. Quand nous regardons la vie de l'apôtre Paul, sa vie était en relation totale avec son message. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, l'apôtre Paul nous dit qu'il a reçu la révélation de Christ, non pas de la part d'un homme, mais de Jésus lui-même. Et c'est cette révélation qu'il a reçue qui l'a emmené à vivre la qualité de vie qu'il a vécue. C'est pourquoi la révélation de l'Évangile est importante, nécessaire, pour nous emmener à aligner notre vie à ce message. Alors, on ne peut pas juste prêcher l'Évangile sans que nos vies soient en relation avec le message que nous prêchons. Quand on prêche quelque chose qu'on ne vit pas, il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi le message, il est fort quand notre vie est en relation directe avec le message de Christ. Quand Paul a reçu la révélation de l'Évangile, il avait compris, il avait accepté la qualité de vie que Dieu réclamait pour lui en tant qu'un serviteur de Dieu. La révélation était tellement claire dans son cœur. Et l'Esprit de Dieu lui a révélé la vie qu'il avait besoin de mener, le style de vie, l'exemple qu'il devait être comme un serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu doivent être des exemples, doivent être des modèles. Ils n'ont pas seulement juste prêcher l'Évangile. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, suivez-moi comme moi je suis Christ. Il dit, soyez mes imitateurs. Hein? Quand même, c'est quelque chose d'assez solide, quoi. C'est costaud, hein? De pouvoir dire au peuple de Dieu, suivez-moi parce que moi, je suis Christ. Amen. Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, combien de serviteurs de Dieu peuvent faire cette déclaration sincère? Sincère devant le peuple de Dieu. C'est-à-dire, voulant dire, Paul a voulu dire, ben, je suis un exemple pour vous. Je suis un modèle pour le peuple de Dieu.
Vous pouvez me suivre sans crainte. Ma vie est la démonstration de la révélation que j'ai reçue de la part de Christ. Je pense que tout serviteur de Dieu doit pouvoir, au moment donné de sa vie, avec toutes les expériences, les épreuves, tout ce qui s'est passé dans son cœur et dans sa vie, doit pouvoir dire comme l'apôtre Paul, « Mais suis-moi, peuple de Dieu, suivez-moi, comme moi je suis Christ. » Et aujourd'hui, il y a les serviteurs de Dieu qui n'ont aucun témoignage. Et au fait, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont méprisés. Méprisés non pas parce qu'ils prêchent le vrai évangile, mais méprisés parce que leur vie n'est pas en ordre. La vie n'est pas en ordre. Ils ne sont pas appréciés. Ils ne voient pas, le peuple de Dieu ne voit pas un modèle dans leur vie. Donc la vie d'un serviteur de Dieu n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. On ne peut pas simplement prêcher l'évangile et puis c'est tout. On doit pouvoir vivre l'évangile. La réalité de ce que ça nous demande. Et tous les serviteurs de Dieu, tout le monde, doivent arriver à un moment donné dans leur vie, après cette croissance, cette maturité, cette œuvre de Dieu, va pouvoir déclarer haut et fort. Ce n'est pas de l'orgueil. Non. Mes frères et sœurs, vous savez quand Dieu œuvre dans votre vie. Je crois qu'un chrétien sait quand Dieu œuvre profondément dans son cœur. Vous savez pourquoi il le sait? Parce que souvent, ça fait mal quand Dieu met sa main dans notre vie pour notre bien. Dieu nous corrige. L'Épître aux Hébreux nous montre. Nous montre comment Dieu est prêt qu'un vrai Père. Il montre le chemin, il corrige ses fils. Et celui qui n'accepte pas la réprimande n'est pas un vrai fils. Celui qui n'accepte pas la correction n'est pas un vrai fils. Je ne sais pas si vous dites ce mot ici, mais il y a une traduction qui dit qu'il est un bâtard. Il n'est pas un vrai fils. S'il n'accepte pas d'être châtié par son Père. Amen. Donc c'est le produit, l'exemple, le modèle d'un serviteur de Dieu est le produit, le fruit d'une profonde œuvre de Dieu dans sa vie. Quand il aura connu ce que c'est que d'être brisé, que de souffrir pour Christ, que de perdre sa vie. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours joyeux. Parce qu'il y a une souffrance qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes quand on est en train de perdre le contrôle de notre vie et qu'on ressent qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut faire, qu'on ne peut plus suivre nos désirs, nos passions, nos ambitions, nos plans. Et pour cela, il faut que Dieu intervienne. Ce n'est pas simplement une décision. On peut décider, on peut chanter qu'on veut le plan de Dieu dans notre vie, qu'on est prêt à tout laisser. Mais on ne pourra jamais tout laisser et obéir à Dieu s'il n'y a pas cette profonde œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme et du serviteur de Dieu. Il n'y aura pas. Il pourra parler le langage, mais il n'y aura pas un bon parfum, un parfum de la connaissance de Christ. Et l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, au verset 10, il dit, moi je veux le connaître. Je veux le connaître dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de ses souffrances. Un vrai serviteur de Dieu. Voilà comment il veut connaître Christ. Hein? Il y a tant qui veulent connaître Christ par ce qu'ils peuvent recevoir de lui, comme bénédiction. C'est une chrétienté très pauvre. Très pauvre. Si le serviteur de Dieu arrive dans cet état d'esprit,
de vouloir servir Dieu pour ce qu'il a gagné. Amen. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi la vie d'un serviteur de Dieu, il doit être un modèle. Paul dit à Timothée, tu as vu ma conduite, mon enseignement, ma foi, ma constance, ma persévérance, mes persécutions. Tu as vu tout. Tu m'as vu vivre. Comment j'ai été persécuté à Antioche, à Icône, à Lystre. Mais le Seigneur m'a délivré de toutes choses. Alléluia. Donc non seulement Paul avait compris le message, la révélation qu'il avait reçue de Christ, mais il avait accepté tout ce que cela comportait. Les épreuves, les afflictions, les souffrances, les bénédictions, les réjouissances, les belles choses que Dieu fait. Et tout un mélange. Tout un mélange. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui dans le monde comprennent et acceptent la révélation de l'évangile de Christ? Vous savez vous-même, quand vous ouvrez la télévision, ce que vous voyez, ça ne sent pas bon. Le parfum n'est pas bon. Ça n'encourage personne à se priver, à perdre sa vie. Mais ça, c'était la vision de Paul, c'était son message et c'était sa vie. Paul vivait la réalité de son message. Il vivait. Et il n'avait pas honte. C'était un honneur. C'était une gloire pour lui de traverser des moments difficiles dans la vie. Paul savait discerner entre ce que Dieu acceptait comme épreuve dans sa vie. Il savait discerner ces choses. Et il savait aussi discerner quand c'était le diable qu'il voulait le détruire. Et plus on grandit dans le Seigneur, plus on arrive à discerner les choses que Dieu permet dans notre vie pour nous former, nous façonner. Et Paul avait accepté. Et on n'a qu'à voir sa vie. Si vous lisez la vie de Paul, vous croirez que c'était un homme incrédule. Que le diable avait le contrôle sur sa vie. De par les situations qu'il vivait, les épreuves qu'il traversait, les souffrances qu'il expérimentait. Mais tout cela était pour la gloire de Dieu. Tout cela était pour la gloire de Dieu. Et c'est à nous, mes frères et sœurs, de discerner les choses que Dieu permet dans notre vie. Il y a un but, ce n'est pas pour rien. Dieu ne permet pas des choses de se passer pour nous écraser, nous détruire, mais pour nous former, pour nous façonner à l'image de son Fils. Paul le savait. C'est pourquoi sa vie était directement liée avec son message. Amen. Et nous tous avons besoin de savoir qu'il y a des situations, des épreuves de la vie qui nous attendent. Et comment on va réagir? On peut réagir dans la chair comme on peut réagir dans l'esprit. Oui. On peut réagir dans la chair, on peut essayer de repousser ces choses-là, on peut chasser le démon. Ça, c'est courant. Quand il y a un problème dans la vie, on chasse le démon. Il y a un esprit par là qui est en train de se cacher. Et là, on se donne à toutes sortes de réunions de délivrance. Et les chrétiens se délivrent l'un vis-à-vis de l'autre. Comme quoi que la vie chrétienne est une délivrance des mauvais esprits. C'est incroyable comment l'évangile a été complètement détourné. Hein? Paul n'avait pas le temps. Les serviteurs de Dieu dans la parole de Dieu n'avaient pas le temps. Parce qu'ils ne le croyaient pas. Qu'il fallait chasser les démons dans la vie des chrétiens. Les démons, les gens sont possédés quand ils ne connaissent pas Christ. Les païens, là, ils sont possédés.
Mais quand quelqu'un vient à Christ, la Bible nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils. Alléluia. Amen. Donc Paul ne passait pas son temps à chasser les démons, à rentrer dans toutes sortes de combats. Aujourd'hui, les chrétiens, ils passent leur vie dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Ce n'est plus quelque chose qu'on fait parce que l'Esprit de Dieu nous montre qu'il pourrait avoir une interférence de l'ennemi quelque part pour le résister. Mais aujourd'hui, c'est devenu, comment dirais-je, partie de la vie chrétienne. Comme quoi que c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Il faut connaître comment tous les démons s'appellent, ils connaissent leur nom, il faut savoir où ils habitent, il faut savoir d'où ils viennent, et il faut les chasser là où on veut. Oh, c'est vraiment, vraiment un cinéma, vraiment un cirque, de voir comment les chrétiens s'adonnent à chasser les démons dans la vie des autres chrétiens. C'est là où il faut faire la différence entre les démons et la chair, les désirs de la chair. Vous serez étonné quand vous lisez Galates chapitre 5, de voir quelles sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul, même dans le livre des Galates, parle de ce combat entre l'esprit et la chair. Pas entre le diable et le chrétien, mais entre l'esprit et la chair. Et là où est le problème, c'est quand la chair veut défier ce que l'esprit veut faire. La chair est inimitiée, ennemie de l'esprit. Amen. Allez lire bien le livre de Galates, vous allez voir les œuvres de la chair. Vous serez étonnés. Mais nous, on met ça sur le compte d'un démon. Quelqu'un est jaloux, il a un démon de jalousie. Ouais, il y a un démon de jalousie. Quelqu'un vient en retard à l'église, il a un démon de paresse. C'est incroyable. C'est comme si ça a gagné le monde chrétien. Il y a des livres qu'on vend aujourd'hui dans le monde chrétien. Avec tout le nom de tous les démons. Qu'est-ce qu'ils font? D'où ils viennent? Il y a certains qui viennent de Madagascar, il y a certains qui viennent de Hong Kong, made in Hong Kong. Ça aussi, il y a. Laissons ces choses-là pour les païens. Occupons-nous à construire l'Église de Jésus-Christ. Occupons-nous à construire la vie des chrétiens. Portons un message de libération. Amen. Donc, quelle était la vie de Paul? Vous savez ce que ceux qui l'opposaient faisaient? Ils regardaient à sa vie, ils regardaient à son message, ils regardaient à la qualité de sa vie, et de par l'incompréhension de l'Évangile, ils lançaient un message pour dire que Paul n'était pas un vrai serviteur de Dieu parce qu'il n'avait pas beaucoup, il passait par toutes sortes d'épreuves, c'était pour eux des défaites. Des défaites. C'est comme ça qu'ils voulaient détruire le ministère de Paul. Sa vie ne paraissait pas comme c'était quelqu'un qui était un homme de foi. Mais pourtant, je ne connais pas beaucoup de chrétiens qui avaient la foi que Paul avait, qui traversaient les problèmes des situations de la vie dans la joie, sachant que le Seigneur le délivrera de toutes choses. Il se plaisait là-dedans. Vous dites, il se plaisait là-dedans? Ouvrez votre Bible avec moi, je vais vous montrer. 2 Corinthiens, chapitre 12. Vous allez voir. Paul avait le vrai évangile. Paul démontrait l'esprit de l'évangile. Vous connaissez l'histoire où la Bible nous dit qu'il avait une écharpe dans la chair. Hein? Et on lit à partir du verset 7. On va voir qu'est-ce qui se passe. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Qui voulait que Paul soit orgueilleux? Dieu ou le diable?
Qui voulait que Paul ne soit pas orgueilleux? Le diable ou Dieu? Dieu. Amen. Afin que je ne sois pas, qu'il dit dedans, enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Hein? Il avait tellement la révélation de Christ qu'il pouvait être facilement devenir orgueilleux. Mais la Bible nous dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alléluia. Quelle est l'explication de ce texte? Donc c'est clair que c'est Dieu qui a voulu protéger Paul pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, parce que la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Donc Dieu voulait le préserver de la chute. Et il a permis qu'un ange de Satan vienne le souffleter et mettre une écharde dans sa chair. Donc où était Dieu? Où était Dieu dans ce moment? Il avait abandonné Paul? Hein? Et la Bible me dit que Paul cria au Seigneur, « Seigneur, libère-moi, délivre-moi, guéris-moi. » Trois fois. Et le Seigneur lui dit, « Paul, ma grâce te suffit, mon homme. Ma grâce est suffisante pour que tu puisses continuer à me servir, même dans cet état. Je sais ce que je fais, Paul. Je sais ce que je permets. » Et vous croyez que le diable pouvait faire de Paul ce qu'il voulait? Jamais. Dieu était en contrôle de la vie de Paul. Et quand Paul a saisi cela, il a compris cela, écoutez ce qu'il dit. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Regardez le plan de Dieu maintenant. Regardez le plan de Dieu. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh, quel évangile qu'on prêche là. D'où il sort ce Mauricien qui vient raconter toutes sortes de choses? Hein? Paul avait fini de conclure. Ma grâce te suffit, Dieu dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Maintenant, c'est au tour de Paul de parler. Regardez ce que Paul dit. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ça, ce n'est pas l'évangile qu'on entend partout. Ce n'est pas l'évangile de ceux qui prêchent la prospérité. Non. Ce n'est pas l'évangile qui vous dit que vous êtes un petit roi et que vous êtes capable et que vous êtes capable de gérer le monde parce que vous êtes un enfant de Dieu. On appelle ça le message de l'humanisme. Voilà ce que c'est. Et le chrétien, quand il entend ça, il est fier. Alléluia, gloire à Dieu, je suis quelqu'un. Merci Seigneur. Oh, tu m'as élevé. Oh, je suis Fils du Dieu très haut. Alléluia. Hein? Ça, c'est la compréhension de ceux qui n'ont pas la révélation de Jésus-Christ. Il continue, Paul. C'est pourquoi, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure là? Que Paul se plaisait là-dedans? Je vous ai dit ça tout à l'heure là. Vous vous souvenez? Il se plaisait dans les situations dures et difficiles. Il se plaisait dans les faiblesses, il se plaisait dans les calamités, il se plaisait dans les difficultés. Regardez ce qu'il dit dedans. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible,
alors je suis fort. Ça, c'est un autre évangile. Ça, c'est le vrai esprit de l'évangile. Parce que Paul savait, Dieu ne l'avait pas abandonné dans ses calamités. Dieu ne l'avait pas abandonné dans ses détresses. Mais Dieu était à l'œuvre dans sa vie. Regardez la vie de Paul. Est-ce qu'il était un homme spirituel ou un homme charnel? Un homme de l'esprit, un homme de foi, un homme qui comprenait l'évangile. Il n'avait pas peur. Il se plaisait dans ses faiblesses. Aïe, aïe, aïe. Les calamités, les détresses, les outrages. Hein? Il se plaisait là-dedans. Il avait compris l'évangile. C'est clair pour lui. Amen. Et finalement, qu'est-ce qu'il a dû dire? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et ce même Paul dit, rendons grâce à Dieu en toutes choses. C'est pourquoi si tu prends ta croix, tu suis Jésus, tu es prêt à accepter tout ce qu'il veut permettre dans ta vie, afin de pouvoir faire ce qu'il veut dans ton cœur, il te donnera la victoire. C'est pourquoi il n'y a pas de défaite pour le chrétien. La faiblesse n'est pas une défaite. Les détresses ne sont pas des défaites. Les calamités ne sont pas des défaites. Les calamités et toutes ces choses-là sont des moyens pour Dieu nous donner la victoire et de former Christ dans nos cœurs. Amen. Dieu n'est pas confus. Non. Dieu n'a pas voulu détruire Paul. Non. Dieu a voulu se servir de lui. Puissamment. Puissamment. Amen. Quand je suis faible, alors je suis fort. Quelle force que Paul avait? Paul avait la force de Christ. Ce n'est pas dans sa force. Non. Dans la première épître aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Il reconnaît que tout ce qui s'est passé dans sa vie était accompagné par la grâce de Dieu pour l'aider, le permettre de monter la montagne. Vous savez, quand vous montez la montagne, à un moment donné, vous arrivez au haut complètement. Et quand vous avez fini d'arriver au haut, qu'est-ce qui arrive? Vous redescendez, non? Mais avant d'arriver au haut, c'est dur. Et quand vous êtes arrivé au haut, vous soufflez un bon coup, c'est là où Dieu vous libère, vous délivre. C'est là où Dieu intervient dans votre vie. Et pendant tout ce temps que vous êtes en train de marcher et monter et payer le prix et souffrir, sa grâce est là. Sa force est là. Il œuvre dans nos vies pour nous faire devenir des vrais serviteurs de Dieu. Il n'y a pas d'autre évangile. C'est pourquoi si vous prêchez la foi, vous prêchez la foi dans la révélation de ce que je vous en train de vous parler. Parce que Paul était un homme de foi. Il avait la foi pour sa vie. Il avait la foi pour le ministère. Il a fait la foi pour accomplir tout ce que Dieu lui demandait. Amen. Oui. Il avait la foi. Noé a eu la foi. Pourquoi Noé a eu la foi? Pour lui-même? Non, pour accomplir le plan de Dieu. Dieu avait un plan. Parce que le monde vivait dans l'iniquité. Il voulait le détruire. Et Dieu a dit, Noé, je te mets à part. Je te donne la foi. Va construire cette arche. Quelque chose que jamais personne n'a fait. Et par la foi, Noé a construit une arche. Pourquoi? Pour conclure ce que Dieu voulait faire. Mais quand on a un autre évangile, on utilise la foi pour nos biens, pour notre intérêt, pour nous-mêmes, pour avoir plus. Hein? Posséder davantage. Et au moment donné, on arrive à être jaloux de ce que notre frère a eu.
Et maintenant, on veut réclamer de Dieu quelque chose de plus grand de ce qu'il a eu. Et on appelle ça la foi. La foi pour accomplir l'œuvre de Dieu. La foi pour pouvoir accepter ce que Dieu met devant nous. La foi que Dieu interviendra et changera la situation pour sa gloire. La foi pour qu'il nous délivre. Disons, 2 Timothée chapitre 3, le verset qui suit le texte que nous avons servi pendant ces 3 jours. 2 Timothée chapitre 3, alléluia, la fin du verset 11. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur, alléluia, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Vous voulez connaître la délivrance des chrétiens? C'est ça la délivrance des chrétiens. Quand le Seigneur nous délivre des situations les plus compliquées, les plus dures, le Seigneur nous délivre. Il change la situation et il nous donne la victoire. Ça, c'est la délivrance du peuple de Dieu. Ce n'est pas tous ces gens qui passent leur vie à chasser les démons dans la vie des chrétiens. Allez lire la parole de Dieu, allez lire la Nouvelle Alliance, allez lire le Nouveau Testament, vous allez voir. Si Paul passait son temps à chasser les démons dans la vie de Timothée, d'Épaphrodis, de Tite, de Silas et de tous ses frères et sœurs. Il n'avait rien à voir. Donc la vie de l'apôtre Paul est un exemple, un modèle pour le peuple de Dieu. Il prêchait le message, il vivait le message. Il disait, écoutez, prenez votre croix, parce que regardez ce que je fais moi. Moi aussi, je prends ma croix. C'est pourquoi le message de la croix n'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est quelque chose que le Seigneur dépose en nous afin que nous puissions vivre la réalité du message de la croix, afin de pouvoir partager ce message. Amen. Donc, quand on parle de la vie du serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui, quand il prend sa croix, il accepte. Il accepte tout ce que Dieu permet. Pour son bien. Ouais. Notre Père Céleste ne nous châtie pas, ne nous corrige pas, ne fait pas une œuvre dans nos cœurs pour nous détruire. Jamais. Non. C'est pour qu'on puisse grandir. Grandir, être formé. Par la main de Dieu, pas par la main de l'homme, la main de Dieu. C'est là où le cœur de l'homme change. L'Ancien Testament, je vous ai dit, c'était la circoncision de la chair. Mais le Nouveau Testament, c'est la circoncision du cœur. Non pas par la main de l'homme, mais par le Saint-Esprit en nous. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. On va aller rapidement un petit coup là pour terminer. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais... on va essayer de finir ça rapidement. 2 Corinthiens chapitre 4, pardon, chapitre 10, mes excuses. Vous connaissez le texte? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous connaissez le texte? Mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelles étaient les armes de Paul? Paul est en train de défendre son ministère, là. Parce qu'encore une fois, des faux apôtres, des faux serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'ils voulaient? Le détruire. Ils parlaient contre lui. Ils parlaient des mensonges et des fausses accusations contre lui. Et il se lève et il dit quoi? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. En d'autres mots, je ne vais ni utiliser mes poings, je ne vais pas essayer de me battre contre eux dans la chair. Hein? Je ne vais pas me justifier. Je ne vais pas laisser ma chair prendre le dessus. Non. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Quelles sont ces armes puissantes? Les armes puissantes de l'apôtre Paul étaient l'Évangile. L'Évangile et sa vie. L'Évangile renverse les forteresses. Oui. Parce que les chrétiens commençaient à douter du ministère, les Corinthiens, ils commençaient à douter du ministère de l'apôtre Paul, qui avait lui-même posé le fondement dans l'Église. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses.
Et les gens prennent ce texte pour aller chasser les démons partout. Non, Paul n'était pas engagé dans un combat charnel, dans un combat pour se justifier, dans un combat pour discuter avec les gens, mais c'était sa vie et son évangile, l'évangile qu'il prêchait, qui allait le défendre. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez défendre votre ministère par le message que vous portez et par la vie que vous menez. C'est ça qui parle plus fort. C'est le message que vous annoncez. C'est ça les armes qui étaient puissantes pour l'apôtre Paul. Ça renverse les forteresses dans la vie des chrétiens corinthiens. C'est pourquoi il dit, regardez à ma vie, regardez à mon message, rappelez-vous. Amen. Comme ça que Paul se défendait. Par sa vie, son message. Ce que les gens pensaient de son message n'était pas son problème. Ce que les gens pensaient de sa vie n'était pas son problème. Ouvrez avec moi dans la deuxième épître de Paul au chapitre 6. On va aller vite là. Hein? Verset 3, verset 4. Mais nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu. Par beaucoup de patience dans les tribulations, hein? Nous nous rendons recommandables comme des vrais serviteurs de Dieu. Comment ? Par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Mais avec un cœur pur. Hein? Sans vouloir se justifier, sans vouloir gagner. Donc il dit par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Vous voyez, la parole de vérité pour l'apôtre Paul était son arme. Alléluia. Ça, c'était l'arme de l'apôtre Paul. L'évangile. Et regardez. Verset 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Regardez ce qui suit maintenant. Étant regardé. C'est-à-dire quoi, étant regardé comme. C'est des gens qui avaient fait leur jugement sur la vie de l'apôtre Paul comme étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques. Amen. On vous regarde comme un imposteur, mais vous êtes véridiques. Alléluia. Comme inconnu, quoique bien connu. Voyez le contraste. Comme mourant, voici nous vivons. Comme châtié, quoique non mis à mort. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Je termine en vous disant que la vie de l'apôtre Paul, il y avait deux images de sa vie. Un dans le naturel, de ce que les gens voyaient. Ce que les gens voyaient, comment ils considéraient l'apôtre Paul. Et il y avait une autre image. C'est l'image de Paul dans l'esprit. Les gens le considéraient comme pauvre, dans le naturel. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Nous enrichissons. C'est ça qu'il dit, lisez bien. Nous enrichissons toute chose. Le dépôt spirituel en lui, c'est ça que Paul voyait. Le monde peut voir n'importe quoi. Vous pouvez être dans le feu. Il y a des gens qui vous disent, mais il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi.
Il passe par les détresses. Les gens le regardent, même les chrétiens le regardent. C'est ça le problème. Quand on ne saisit pas l'évangile, c'est un homme de défaite. Mais Paul savait qu'est-ce qu'il transportait. Il savait qui il était. Et c'est comme ça que lui, il se défend. Il ne se défend pas par des grandes paroles. Il ne va pas plaider son cas pour dire, écoutez, c'est pas quoi. Non ! Il montre ce qu'il vit. Et c'est ce qu'il vit qui démontre ce qu'il est dans le Seigneur. Et si vous allez lire, on n'a pas le temps, dans 2 Corinthiens chapitre 11, vous allez voir comment il dit, sont-ils hébreux ? Je le suis. Sont-ils ministres de Dieu ? Moi aussi. Et plus que, parce que quoi ? Hein ? Allez, on lit, on arrête. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. Tout ça à cause de Jésus. Hein ? Tout ça à cause de Jésus. T'es en péril, t'es dans la détresse. Voilà ce que les gens voyaient. C'est pourquoi les gens avaient un outil, une arme pour le détruire. Sa vie, sa qualité de vie, là où il traversait, les persécutions qu'il vivait, les afflictions qu'il ressentait à l'intérieur de lui-même. Il paraissait comme un homme fini, comme un homme qui est malheureux, comme un homme qui est détruit complètement. Mais Paul, lui, il ne voit pas les choses dans le naturel. Il voit ce qui est en lui. Et c'est ce qui est en lui qui le fait être un homme de Dieu, qui le fait être un serviteur de Dieu. Ce n'est pas les problèmes qu'il traverse qui le fait être un serviteur de Dieu. C'est la manière dont il gère ses problèmes. Il avait accepté tout ça. Il n'a pas chassé les démons quand il était enfermé avec Silas dans la prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Amen. Amen. Ils ont loué le Seigneur. Ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont pas senti qu'il y avait la pitié pour eux-mêmes. Non. Ils étaient heureux. Parce que ça faisait partie de son ministère à lui. Et chacun de nous, nous avons des situations dans la vie. Et nous avons besoin de reconnaître que Dieu permet ces situations-là pour nous emmener à grandir et à devenir des hommes de l'Esprit. Amen. Alléluia. La vie du serviteur de Dieu. Ce n'est pas la vie de tous ces gens qui crient à gauche et à droite, là, l'argent, prospérité, bien matériel et tout ça. Ce n'est pas ces gens qui crient tout ça là qui décrivent la chrétienté. Ils ne décrivent pas, ils ne sont pas le témoignage de la vie, de la vraie vie d'un serviteur de Dieu. Pas du tout. Tout ce qu'ils savent, c'est mettre de l'or autour d'eux. S'habiller comme si qu'ils allaient au mariage tous les jours. Oui, c'est ça qui représentait le Christ, l'excellence du ministère. Moi, je vous déclare quelque chose ce soir. Il n'y a rien que plus simple que la chrétienté. Le plus simple, c'est la chrétienté. Alléluia. Rien de plus simple que ça. Amen. Et ces grands messieurs, ils se décorent. Ils ont des chaînes en or, ils ont 4 chaînes. Hein? Ils ont une montre de chaque côté, ils ont 4 bagues en or. Ça, c'est le vrai serviteur de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Mais ouais. Tu comprends rien. Tu n'as rien compris. Tu présentes les choses naturelles pour construire l'église spirituelle. Hein? Et puis on vient dire que Jésus était riche. Moi, je n'ai rien contre les riches, je n'ai rien contre les pauvres, je n'ai rien contre les gens qui sont moyens, je n'ai rien contre personne, moi. Dieu connaît la vie de tout le monde. Dieu sait ce qu'il fait. Amen.
comprenez ce que je veux dire? La vie d'un chrétien, la vie d'un serviteur de Dieu. Moi, je connais des grands serviteurs de Dieu. Hein? Quand vous les voyez, vous avez peur. Tellement ils sont équipés. Hein? Ils ont des petits mouchoirs qui sortent par ici. Hein? Ils ont une chaîne en or. Ils ont toutes sortes de choses. Les cheveux qui partent en arrière. Hein? Un langage qui fait vibrer vos émotions. Alléluia. Oui. C'est pas l'image d'un vrai. C'est l'image d'un faux. Alléluia. Quand je déclare, je dis la chrétienté, c'est là. Il n'y a rien dans le monde qui est plus simple que la chrétienté. Rien. Jésus était simple. Il n'avait pas une place pour reposer sa tête. Les gens lui disent, ben, Seigneur, je te suivrai là où tu vas. Il dit, écoute mon enfant, tu veux me suivre? Je n'ai même pas une place pour reposer ma tête, tu veux me suivre? Hein? Et on veut faire croire que Judas était le trésorier. Parce que Jésus avait trop d'argent. Il avait besoin d'un trésorier pour gérer ses finances. Toutes sortes de choses qu'on raconte. Hein? Alléluia. Ah, mes frères et sœurs, nous avons besoin de retourner à la base, au fondement, le message de la croix de Jésus-Christ. Tu veux? Tu vas grandir. Ta vie va changer. Tu es un père de famille, tu vas changer. Tu es un mari, tu vas changer. Ton église, elle va changer. Le ministère, ça va changer. Tout va changer pour la gloire du Seigneur. Amen. Allez, on se met debout, on loue le Seigneur ensemble. Oh, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit loué. Et l'Église de Jésus-Christ a besoin de voir les choses dans l'esprit. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, ne vous laissez pas impressionner par les grands. Ne vous laissez pas impressionner par toutes ces grandes choses-là. Non. Ça ne veut rien dire, tout ça. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Tu peux marcher avec des savates. On dit savate ici? Tanga. Tanga. Vous savez, ça fait palac, comme ça. La bouche. C'est babouche. Ne diminue pas ce qu'il y a de dépôt de Dieu dans ton cœur. Non. Amen. Maintenant, si Dieu te donne des souliers dorés, dis merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ton soulier doré qui va déterminer qui tu es. Non. Parce que ton soulier doré ne va pas t'arrêter d'insulter ta femme. Non. C'est l'œuvre de Dieu en toi et la manière que tu veux vivre l'évangile qui va te changer afin que tu arrêtes d'insulter ta femme et que tu lui dises des mots doux. Et que tu arrives à l'apprécier pour qui elle est. Le don que le Seigneur t'a fait d'avoir une femme à côté de toi. Alléluia. Aime-la, donne ta vie pour elle. Ça, c'est le serviteur de Dieu. Alléluia. Oh, amen. Ah, l'évangile, c'est quelque chose quand même. L'évangile de Jésus-Christ, c'est quelque chose. Alléluia. Vous êtes heureux? Ça bouleverse un peu à l'intérieur, mais c'est bon. Pas d'inquiétude. Ça bouleverse, ça secoue un peu, ça,
C'est pas grave. Le Seigneur n'est pas là pour nous mettre un coup de bâton sur la tête. Non, il est là pour me dire, mon enfant, voilà le plan. Voilà où je veux t'emmener. Alléluia. Tu as mal fait, je te pardonne. Tu as mal fait, je veux continuer avec toi. Je veux te prendre par la main. Je suis un Dieu de compassion. Je suis ton berger. Je t'aime. Je vais t'emmener jusqu'à la fin. Donnons l'opportunité à Dieu de faire le travail qu'il faut dans notre vie. L'apôtre Pierre a dit l'œuvre, Paul a dit l'œuvre que le Seigneur a commencée, il le terminera, il va la compléter, alléluia. Ah, moi j'aime cette parole, parce que tous les chrétiens, s'ils entendent l'évangile, Dieu est capable de les emmener à terminer l'œuvre qu'il a commencée dans leur vie. Allons louer le Seigneur, allons applaudir Jésus. Allons rendre grâce à Dieu ce soir. Il est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il bâtit son église. C'est son église à lui. C'est pas notre église. C'est son église. Ça n'appartient à lui. Il est le chef. Il est le roi. Il est tout. Alléluia. On le rend grâce. On le remercie. On apprécie le Seigneur. Alléluia, on est reconnaissant. Alléluia. Amen. Oh. Qui sont prêts à prendre ce challenge? Vous êtes prêts? Prendre le challenge. Moi, je suis prêt, moi, parce que Dieu n'a pas fini avec moi. Ah, il n'a pas fini avec moi. Il a besoin de continuer de faire son œuvre. Il y a des choses en moi qu'il veut briser. Il y a des choses en moi qu'il veut changer. Ah, il y a des choses en moi qu'il a besoin de me bouleverser. Souvent, on croit qu'on est arrivé. On croit qu'on est arrivé et puis le Seigneur nous montre. Mais qu'est-ce qui arrive là? Comment tu agis comme ça? Oh, ok Seigneur. Ok, il y a encore des choses que tu veux faire dans ma vie. Alléluia. Amen. C'est une construction. Oh, merci Seigneur. On s'attrape les mains. Amen. On s'attrape les mains. Gloire à Dieu. Seigneur, merci ce soir pour tout ce peuple qui est là. Ce sont tes enfants. Il y en a de ceux qui sont tes serviteurs. Appelés de Dieu. Tu les as mis à part et tu veux les équiper. Et ton plan, Seigneur, que nous soyons tous là où nous te servons, un modèle, un exemple. Un exemple de l'évangile. Un exemple de la vérité de ta parole. Seigneur, je prie que la révélation de l'évangile puisse vraiment être écrite sur les tables de leur cœur. Et que cela ne les quitte jamais. Malgré tout ce qu'ils peuvent traverser. Que jamais ils n'oublient. Et que jamais ils ne changent d'idée. Je prie ce soir que tous ceux qui sont présents comprennent et acceptent de prendre leur croix et de te suivre. D'accepter ce que toi tu veux permettre qu'ils traversent tout cela pour ta gloire. Je prie pour eux ce soir. Je prie pour les serviteurs de Dieu. Je prie pour leurs femmes. Je prie pour leur famille. Seigneur, je prie pour les diacres, les diaconesses. Je prie pour les ouvriers qui œuvrent pour toi. Je prie pour cette équipe de louanges. Je prie pour tous ceux qui te servent d'une manière ou d'une autre. Que l'évangile soit écrit et que tu mettes un sceau dans leur cœur. Ton sceau. Afin, Jésus, qu'ils n'oublient jamais ce qui a été marqué dans leur cœur pendant ces 3 jours. Je prie pour un réveil dans leur cœur. Je prie pour un nouveau zèle. Je prie pour une révélation qui continue dans leur vie, dans leur cœur. Seigneur, tu les as appelés, tous ici. Et je te remercie, parce que c'est ta grâce qui est sur nos vies. Nous le reconnaissons. Seigneur, permets qu'en grandissant, chacun d'entre nous, nous pourrons dire, en tant qu'un père, en tant qu'une mère, à nos enfants, suivez-moi.
parce que moi je suis Christ. Et que les serviteurs de Dieu peuvent dire au peuple de Dieu, suivez-moi, comme moi je suis Christ. Alléluia. Seigneur, tu le feras. Parce que ta parole est puissante. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Je te remercie pour ces moments que nous avons passés ensemble. Je te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci de tout mon cœur, de m'avoir permis de partager mon cœur, de partager un peu de l'Évangile. Quelle grâce. Seigneur, merci pour la joie que tu mets dans mon cœur. Merci pour tout ce qui va se passer dans les jours et les mois à venir dans la vie de ce peuple. Seigneur, tiens-les dans ta main et fais d'eux ce que toi tu veux pour la gloire de ton nom. Amen. On dit merci à Jésus. On loue le Seigneur, on dit merci à Jésus de tout notre cœur.